Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 7 de notre let's play sur Banjo et Kazooie. Un let's play. Alors bah du coup, celui-ci, j'ai recommencé, donc c'est pour ça que vous allez comprendre. 308, c'est le niveau est déjà ouvert et tout. Donc parce que je l'avais commencé, j'ai eu une petite interruption indépendante de ma volonté, du coup je recommence. Voilà, du coup c'est pour ça que c'est cassé. La dernière fois, on avait complété le niveau 3, on avait fini ça, donc le niveau 3, caverne de Clanker. On avait ouvert la porte numérotée qui est juste ici. Je vais lancer le chrono, on va même le recommencer puisque bah, je sais pas pourquoi il est pas bon. Voilà, comme ça c'est nickel, on est parti sur 15 minutes. Donc ici on a une salle supplémentaire, voilà, avec, oh non, une statue, non ce n'est qu'une statue de Grunthilde, voilà. Bon, celle-ci, on la fera plus tard, parce qu'on en a une autre là-bas, je vous le dis tout de suite. On en a une autre là-bas, donc on va faire celle-ci en premier, et on fera celle-là plus tard. Donc on va aller ici. De l'autre côté de la salle, il y a une autre porte à notes qui a 260, donc on pourrait l'ouvrir, parce qu'on en avait déjà 300. Mais je préfère faire le jeu dans le sens où il a été designé, c'est-à-dire niveau après niveau, et pas rusher bêtement. Mais c'est vrai que, voilà, le jeu, quand il a été fait d'une manière, les devs se sont dit, bah voilà, quand les gens vont le faire, ils vont pas tout prendre d'un coup. Du coup, voilà, on le fait comme ça. Le sport favori de ma grosse sœur est le concours de grimaces. Bien que stupide, elle est diplômée de l'école des Fesmolles. Oui, c'est du délire. Hein. Pour animer les soirées, Grunthilda se déshabille et danse la salsa. Ça doit être génial. Ça doit être absolument fabuleux. Alors, de ce côté-là, on a des bots. Alors du coup, bah, vu que j'ai activé le mouvement déjà, je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure quand on sera dans le niveau. Voilà, et puis pareil, on a les insectes puisqu'on est déjà entré dans le niveau. Et donc là-bas au fond, on a un autre tunnel qui emmène à un endroit que vous verrez dans le prochain épisode. Et si vous suivez bien la série, bah, vous avez déjà compris ce qu'il y a dans cet épisode-là. Donc on avait... je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avant que ça coupe tout à l'heure. J'avais activé le mouvement là-bas et j'ai récupéré 8 notes. Donc voilà, j'ai pas été très loin. Alors, bah, c'est un niveau qui est pas mal du tout, la marée moisie. Je vais pas y arriver maintenant. Voilà. Miam, Croctus aime les œufs. Om nom 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 nom. Moi aussi j'en veux du bon, miam miam. Voilà, un niveau qui est plutôt pas mal, une ambiance assez sympathique, vous allez voir. Avec une bonne musique, j'aime beaucoup la musique de ce niveau. Enfin, j'aime beaucoup toutes les musiques de jeu, finalement. Mais c'est vrai qu'il a une ambiance assez particulière, vous voyez qu'on est dans un espèce de marais, au pied d'arbres, on n'a même pas le ciel, je veux le dire. Et l'ambiance n'est pas désagréable, je vais pas dire que c'est cosy, mais finalement, c'est pas dégueulasse du tout, et moi j'aime bien. Alors, les bots, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, ça sert à marcher dans des liquides dans lesquels on ne peut pas marcher habituellement, à savoir ici, bah là, c'est contaminé. Alors, je crois que je peux pas... Ah bah oui, j'ai déjà récupéré, il y avait un crâne de Mombo là-bas, en fait. Bon, donc du coup, je vous le montre pas. Et donc du coup, c'est pratique, puisque là, on peut pas marcher dans le machin, là. Dans le marais, c'est empoisonné. Enfin, il y a des piranhas, je crois qu'ils appellent ça. Je crois que c'est ça, l'idée. Donc on peut pas y aller. Je vous montre, hein, quand même. Voilà, vous voyez, il y a des piranhas, ça paraît logique. Toi, tu dégages. Voilà, hop. On va continuer. Et ouais, j'avais 8 notes, je crois, ou quelque chose comme ça, donc voilà. Alors du coup, c'est le niveau organisé par hub, un petit peu, comme ça. Donc vous voyez qu'il y a un hub là-bas, il y a un autre truc là-bas, il y a un autre truc là-bas derrière, et après il y a autre chose là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va, compléter ce qu'il y a ici. Donc il y a... Décidément, non. Non, voilà. Il y a une pièce de puzzle là-haut. Ouais, trop facile. Mais non. Parce qu'il y a un chrono. Bah, faut pas déconner. Eh oh, c'est pas le jeu le plus facile de la Terre, j'ai dit. Ouais, tu as battu ton record de notes. Youpi. Donc on va vite aller là-bas. Récupérer notre... Alors, on va y aller doucement. Oui, je flippe un peu parce que ça me fait chier de refaire à chaque fois le truc. Voilà. Bon, il y avait quand même le temps. Voilà pour la première, et donc on va revenir tranquillement. C'est un petit peu étrange, hein, d'avoir mis des machins comme ça. C'est quoi? C'est un arbre avec des branches. C'est bizarre quand même. Le deuxième Jinjo.
Alors vous vous dites, ouais c'est bon, ça va aller vite ce niveau, mais vous verrez que c'est pas le plus facile du jeu. Hein. Franchement, il est plus facile peut-être que le niveau précédent, mais vous verrez que ça se corse, puisque là on commence à avoir des petites énigmes, il y a un labyrinthe, vous verrez tout à l'heure. Et du coup ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà. N'importe quoi. Voilà. Bon, vous avez compris qu'il faut donner un œuf à chacun et donner une pièce de puzzle. Voilà, vous avez compris comment le jeu fonctionnait maintenant. Alors, on va redescendre. Voilà. On va aller là-bas. Ici, on a quoi? Le revoilà! C'est l'heure du goûter. Oui, parce que du coup, il voulait me donner des. Il voulait me faire m'embêter. Puis ici. Mais. Putain, mais c'est quand même pas le truc le plus facile. Oh, ça m'énerve. Voilà. Tranquille. Vas-y, donne-moi ta pièce. Allez, on est parti. Tranquille. Hop, voilà pour la deuxième. Bon, vous direz que ça va vite, mais voilà, en fait. J'aime bien ce petit rythme-là d'un niveau par en deux vidéos, c'est pas mal. Donc là-bas, on ira tout à l'heure. Là-bas, on a quoi? On a ça. Et là-bas, on a autre chose. Donc, on va aller là-bas en premier. Comme ça, on sera tranquille. Ah oui, alors, un Jinjo qu'on peut pas aller chercher. Donc, il faudra qu'on y revienne tout à l'heure. Une fois qu'on sera transformé, puisque oui, je vous le dis tout de suite, il y a une transformation de Mumbo dans ce niveau. Donc, vous verrez. Je me souviens plus en quoi c'est, d'ailleurs. Je me souviens plus exactement en quoi c'est. On verra ça tout à l'heure. Donc, là, vous voyez qu'on doit monter. Le Switch Grunty qui va activer quoi? Ça. Ouais, d'accord. Et c'est tout. Ah oui, mais je me souviens plus comment on y va dans ce truc. Bah, on verra. Ça sera l'occasion de revoir. Hop. Oui, c'est là qu'on doit aller. Putain, j'ai loupé le truc de Mumbo. Vous y croyez ça? C'est quand même dingue. C'est quand même complètement dingue, il va falloir que je retourne le prendre, parce que c'est important, les Mumbo, il y en a juste qu'il faut, il y en a juste un tout petit peu plus, mais voilà, il faut quand même qu'on les prenne. J'adore le son que ça fait quand on prend. Du coup, on est obligé de les prendre, et là-haut, me semble-t-il qu'il y a une pièce de puzzle, ça serait tout à fait logique. Et voilà, troisième, s'il me semble bien. Voilà, donc c'est bien. On est bon, on est bien sur notre rythme habituel de vidéo. Hop, on va redescendre en évitant de se casser la gueule et de perdre de la vie, ça serait bien. Voilà. Ensuite, on va aller où? On va aller là-bas. On va aller là-bas puisqu'on a des choses à faire. Lui, je sais plus ce qu'il a comme problème. Ah oui, on a un Jinjo à récupérer. Et je crois qu'il y a des bots, donc allez. Hop. Voilà. Elles sont très rapides, très courtes ces bottes. Fini. C'est d'une inutilité remarquable cet endroit là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Alors lui on va lui enlever ça. Ça va un peu mieux. C'est bizarre, hein. Mais je sais. Hop. Oh, mes pieds sont engourdis. Oh, c'est fini. Tank Toup, comment cela vous plaît-il? Bah, c'est bien. Ça me bat. Hop, la quatrième. Voilà, et à 5 on s'arrêtera, hein, comme d'habitude, et on peut rentrer. Et là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Et qu'est-ce que c'est? Oh! Silence, je vous prie. La fameuse chorale des Tip Top va interpréter son dernier concert. Alors, bleu, violet, rouge. Et là, vous avez compris. C'est tout. Leçon numéro 1, essayez de copier ce que vous venez de voir. Mais voilà, en gros, c'est un Simon. Grand Dieu, déjà tout oublié, écoutez bien cette fois-ci. Mais j'ai vu, c'est bleu, violet, rouge. Mais oui, j'ai vu. Allez, on va y aller, parce que sinon il va me faire un caca. Bleu, violet, et rouge. Pas mal, voici la leçon numéro 2. Alors, bleu, bleu clair, violet, bleu clair, rose. Oh, je me souviens plus. Bleu, bleu clair. Ça doit être violet après. Bleu clair et rose. C'est ça. Ah, splendide, plus qu'une leçon. Alors, jaune, violet, jaune, rouge, bleu clair, violet, rouge. Jaune, violet... Oh, je me souviens plus, les amis. Jaune, violet, jaune, je crois. Rouge. Bleu clair. Jaune. Non, c'est pas ça. N'importe quoi. Essayez à nouveau ou demandez-moi de rejouer. Oui, alors on va refaire parce que je m'en souviens plus. C'est dur, hein. Allez, on recommence. Le jeu qui se fout de nous. Alors, jaune, violet, jaune, rouge, ça c'est bon, je sais, jaune, violet, jaune, rouge, bleu clair, violet, rouge, jaune, violet, non, jaune, violet, jaune, rouge, oh, je sais plus, c'est affreux ce jeu, en fait c'est affreux parce qu'il y a la vidéo et j'essaye de vous parler en même temps, et pour combler le truc, c'est rouge, alors ça doit être bleu, ah, c'est peut-être bleu clair, violet, rouge. Mais... Bleu clair. Jaune rouge ou rouge? Rouge. Magnifique, un véritable chef-d'œuvre. Tenez, cet objet est à vous. Cool. Hey. Voilà, et je vous l'avais dit, ça se compliquait, on a des petites énigmes et tout. Ah, il faut suivre. C'est vrai que le jeu, bon, il était quand même avant tout destiné à un public assez jeune. Et bah c'est vrai que quand on est petit, c'est pas super aisé. Voilà, pour ce petit mini-jeu. Et c'est vrai que j'adore ce banjo parce que... Enfin, j'adore Banjo et Kazooie parce que justement on a ces mini-jeux comme ça dans le niveau. Comparé à finalement Mario 64 où c'était quand même beaucoup moins scénarisé quoi. Et là c'est vrai que... Alors vous me direz oui, il est sorti après. Mais c'est vrai que du coup ben, c'était pas mal du tout. On va retourner là-bas. Parce qu'on a un truc à faire déjà avant d'aller se transformer. Et on est à la moitié de la vidéo puisqu'on a 5 pièces de puzzle. Donc nous allons arrêter immédiatement et nous continuerons lors du prochain épisode. Eh ouais, voilà, 13 minutes, 5 notes de musique, 52 notes de musique et 5 pièces de puzzle. Donc voilà pour cet épisode 7 de ce Let's Play sur Banjo-Kazooie. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous retrouve la prochaine fois, donc pour le prochain épisode, l'épisode 8, dans lequel on complétera ce niveau. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça, ou une suggestion, une critique, et puis bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, et à vous abonner si vous voulez en avoir plus, directement sur votre flux YouTube. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, salut!